Je vais vous présenter quelqu'un qui ne connaît pas le politiquement correct. Il s'agit de Jean-Baptiste. Cet homme hirsute, vivant dans une caverne, ayant pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage, qui a une parole de feu, de feu, comme on dirait, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, des gens qui parlent vrai, des gens qui osent s'élever, dénoncer, condamner, agir, protester. Il y en a heureusement, mais pas suffisamment. Chaque chrétien devrait être cela. Quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui interpelle. Tel était le cas de ce Jean-Baptiste dont il est question aujourd'hui dans l'Évangile. Une voix qui crie dans le désert. Il portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir, et n'avait pour nourriture que des sauterelles et du miel sauvage. Et alors, sa voix s'élève contre tous ces hypocrites qui viennent le consulter. Engeance de vipère, ça c'est pas du politiquement correct. Je pense que il manque à l'Église cette dimension de prophétisme. Le prophétisme, c'est édulcoré, adouci, dégénéré, engeance de vipère. Quand je tiens quelquefois certains propos, on me dit « c'est trop violent ». C'est pas ça. Tu vas perdre les gens. Je préfère perdre les gens que de refuser de proclamer la vérité. Le prophète est quelqu'un qui proclame la vérité, qui dénonce le mal, engeance de vipère. Ça me plaît. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. Conversion. Oui, dans cette période de l'Avent, nous sommes appelés à la conversion, c'est-à-dire à un changement radical. Radical. Qui autrefois était exprimé par le jeûne, des mortifications, des privations. Maintenant, tout ça est passé de mode, si on peut dire. Rien ne change dans notre comportement. Rien ne change dans notre nourriture. Ça continue parce que Dieu est bon, Dieu est gentil. Non, mes chers amis, il faut écouter aujourd'hui Jean-Baptiste. Et il dit, n'allez pas dire en vous, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Oh, nous sommes chrétiens, nous allons de temps en temps à la messe. Nous faisons un petit effort pour les pauvres. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça la radicalité de l'appel du Christ.
On se contente de n'importe quoi. La médiocrité au niveau des chrétiens en général. Je ne veux pas juger les gens, mais il est grand temps de passer à l'étage supérieur. Et pour terminer son discours, Jean-Baptiste dit, il va nettoyer son aire, abattre le blé, il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Ça, réfléchissons. Ah, l'enfer, oh, le châtiment, oh, le jugement, Dieu est si bon. Attention, c'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Baptiste, et puis ce sera le Christ qui le dira. Mes chers amis, réveillons-nous. Mes chers amis, vivons cette conversion à laquelle nous appelle Jean-Baptiste pour être prêts à accueillir le Christ qui vient bientôt. Amen.